fait, c'est pas moi qui vais partager. I'm going to invite the Pastor Yves Malala, the great man of God. Alléluia. C'est curieux, je me l'avais ce matin. Le Saint-Esprit m'a dit, avant de prêcher, il faut faire une prière en esprit pendant au moins 3 minutes. Le pasteur m'a appelé ce matin. Mais on a parlé d'autre chose. On n'a pas parlé de ça. Et curieusement, il nous a conduit dans la prière de l'esprit. Ça prouve qu'il y a une connexion spirituelle entre nous. Et je crois fermement que le Seigneur Dieu sera glorifié en ce lieu. Parce qu'il fait rien en vain. Gloire à Jésus-Christ. Merci encore au pasteur Samy pour l'opportunité que vous m'accordez de parler devant le peuple de Dieu, de la part du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un est dans la joie ce matin. Il y a des fois, j'aime prêcher, bouger. Amen. Et vous savez, il y a plusieurs sortes d'évangiles. Il y a un évangile de spectacle. Il y a des fois, le Seigneur Dieu et Jésus pouvaient multiplier les pains. Sometimes the Lord Jesus comes just to afin de démontrer la puissance de son Père pour sa puissance. To show the power of his Father. Il y a des moments où il a amené les disciples à la montagne. And the times where he brought the disciples to the mountain. Et il les enseignait. And he was teaching to them. Alléluia. Alors, maintenant c'est le moment de l'enseignement. Now is the time of teaching. Je vais partager un sujet. I'd like to share a subject que j'intitule le langage du champion. That I call the champion speaking. Le langage du champion. Excusez-moi, je vais arranger mon micro. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis un très ingénieur de son nom, c'est déjà appris à l'école. Nous allons parler du langage du champion. Quelqu'un peut dire le langage du champion? S'il vous plaît, vous êtes très calme comme ça, je vais crier. J'ai pas envie que vous criez, mais je veux que vous participiez. Le langage du champion. Gloire à Jésus, nous pouvons prendre nos Bibles dans le psaume 90. Verset 12. Psaume 90. Verset 12. Ceux qui me connaissent savent que j'aime pas lire la parole de Dieu assis. Those who know me know that I don't like to read the word of God. Excusez-moi de vous déranger. Même si vous souffrez de rhumatisme, je vous conseillerais de vous lever. Parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire. Quand il parle, quelque chose se passe. When he speaks, something happens. Psaume 90, verset 12. Nous sommes tous prêts? Are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Si nous avons notre Bible en anglais, en français, en je ne sais pas, qui va me léquer? Ou en passant, vous avez vos chutes, nous allons tous lire ensemble, c'est la parole de Dieu. Together, je vais compter
compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est un court verset, est-ce qu'on peut le répéter? 1, 2, 3. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Père, nous te bénissons pour ta parole, de ton nom, de Dieu l'amour, de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour ce moment précieux que tu nous as accordé afin de pouvoir écouter ta parole. Nous te prions de parler, Seigneur Dieu. Laisse que ta parole puisse transformer nos vies. Que ta parole ôte en nous les cœurs de pierre. Et remplace les cœurs de chair. Les cœurs de chair. Flesh. Oh, the heart of flesh. Sur lesquels tu as inscrit ta loi qui est l'amour. Upon you have written your word that is. Nous prenons l'autorité, le pouvoir sur tout esprit de distraction au nom de Jésus. Nous chassons toute puissance démoniaque qui ne confesse pas le Seigneur de Jésus-Christ en ce lieu au nom de Jésus. We cast every demonic power. Père, nous te prions de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce lieu. Et que toute la gloire, la louange, and may all the glory, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux ton Fils Jésus, pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer ou vous asseoir. Amen. Pourquoi je dis que c'est un homme de Dieu qui sort un peu de l'ordinaire? Why am I saying that he's a man of God who is out of the ordinary? Parce qu'il a beaucoup de choses qui sont similaires à ce que nous avons vu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Because he represents a lot of things that we see in our Lord and Savior Jesus Christ. Cet homme, quand il était né, that man when he was born, c'était pendant la période où le roi des Égyptiens, le Pharaon, it was at the time when Pharaoh avait ordonné qu'on tue tous les bébés. Had ordained to kill all the males. Alléluia. C'était pendant la période où on tuait tous les bébés qui étaient garçons. It was a time when they were killing all the little boys. Alors quand ses parents l'ont eu, so when he was born, ils ont vu que les bébés étaient beaux. They saw that the baby was. Ils voulaient pas le perdre. They don't want to lose. Ils sont allés le cacher au bord de la rivière. They want to hide him. Next to the river. Et quand ils l'ont caché là-bas dans un panier, and when they're hiding in the basket, la Bible dit que la fille des parents est venue, elle a pris le bébé. She took the baby. Elle a élevé le bébé. She lifted up the baby. Alors ce bébé a grandi dans la maison de Pharaon. And the baby was growing up in the house of Pharaoh. Pharaon c'est le roi des Égyptiens. Pharaoh is the king of Egypt. Donc ça veut dire que ce That means that the supreme authority of Egypt. Or, à l'époque, l'Égypte, c'était
chose, un peuple que tu as béni, a people that God blessed. Mais l'Égypte était capable de les tenir en esclavage. But Egypt was able to keep them into captivity. Donc ce n'était pas n'importe quel peuple. That's why he wasn't any kind of people. Alors le roi de l'Égypte n'était pas n'importe quel roi. The king of Egypt was not any kind of. Ça veut dire qu'il avait la puissance. Amen. Alléluia. Amen. J'ai lu l'histoire des deux tours qui ont été détruites ici. I read the story of the two towers that was destroyed here. Le deux tours là, c'est la deuxième fois qu'on les détruit, vous le savez? Those twin tower towers, that was the second time they destroyed them. When technology was developed already, but Egyptians, ils ont construit les pyramides. They built pyramids. When technology was not as much as today, but until today, those pyramids still there. That means that we're so strong. Civilization that is very intelligent. Et Moïse était élevé dans cette ville. And Moses was wisdom. Il était élevé dans ce pays là où la science était développée. He grew up in that country where science was developed. Alléluia. Moïse étant élevé dans la maison du roi. Moses growing up in the house of the king. Je parie qu'il avait le langage de presse. I bet that he had the languages of princes. Il s'habillait comme un prince. He dressed like a prince. Il parlait comme un prince. He talked like a prince. Il marchait comme un prince. He walked like a prince. Il mangeait comme un prince. He ate like a prince. Alléluia. Vous le savez. You know it. Dans chaque classe sociale, in every social class, il y a certaines manières qui sont différentes. There are certain ways that are different. Si vous allez dans certaines classes sociales, même ici aux États-Unis, even here in the United States, if you go, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment tenir une fourchette. Yes, there are certain people who do not know how to hold the fork. Il y a certaines personnes qui ne savent pas s'asseoir sur la table. There are certain people qui sont en train de manger. There are certain people who do not know on the table. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas parler en public. There are some people who don't even know how to speak. Mais là, vous venez quelque chose, yeah, hey, hey. Then we come and start screaming. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, vous savez déjà d'où il vient. When you see someone talking like that, you already know where he's coming from. Est-ce que je mens? Am I lying? Dans chaque classe sociale, il y a des manières. Each social class there are ways. Et Moïse, quelqu'un de la même nature que nous. Moses, who were from the same nature as you and me, étant élevé dans la maison du roi, le palais royal, because he grew up in the royal palace, il avait aussi les manières de quelqu'un qui habite dans le palais. He also had the manners of someone who lives in the royal palace. Il avait les sciences égyptiennes. He learned this Egyptian science. Il était très intelligent. He was someone who was very smart. Non seulement il connaissait l'histoire de l'Égypte, il connaissait aussi l'histoire de son peuple. Not only he knew the story of Egypt, but also the story of his country, of his people. Au-delà de toute cette connaissance que Moïse pouvait avoir, above all the those knowledges that Moses could have, curieusement ici on me dit, surprisingly here they tell me, qu'en faisant sa prière de Psaume 90, when he was doing the prayer of Psalm, Moïse va dire au Seigneur, the Moses told the Lord, enseigne-nous à bien compter nos jours, teach us to count our days. No, not to count. To appear. To count, to well count our days. Amen. Amen. Bénis ça. Je sais pourquoi j'ai insisté sur ça. I know why I'm sitting into this. C'est Moïse qui avait compté. Because Moses counted. Il était éduqué. He was educated. Il était un prince. He was a prince. Il ne sait pas, il était. He was not. Donc, il savait compter. Uneducated, he knew how to count. Mais ici, il dit au Seigneur, but here, he tells the Lord, Lord, teach us. Bien compter nos jours. Well count our day. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. So that our heart will be into wisdom. Alors, quand je lisais ce verset, when I was reading this verse, j'ai compris que I understand that il y a une différence entre savoir compter. There is a difference between
recherche. I was on Google and I was doing research. So I asked myself, did Moses went to school also after he had started? I wanted to know how old he was when he did this prayer. I saw some sources that were saying that was a little bit before the burning bush. And he was a little bit before he reached 80 years old. This confirms me that he wasn't a little child. That confirms that he knew how to count. Because he knew how to do to make a difference between his he knew how to defend the cause of his people by killing an Egyptian that were attacking one of his people. But here the Bible is confirming us that Moses did not know how to well count. By doing those research, the Holy Ghost reveals unto me that God does not speak in our language. God do not think like we think. Dieu ne raisonne pas de la même manière que nous. He doesn't reason the way we. La Bible nous dit. The Bible tells us. But the way someone speaks is affected by the way he thinks. Pour connaître l'éducation de quelqu'un, to know if a person is educated, pour connaître le cœur de quelqu'un, to know the heart of someone, tu n'as pas besoin de lui faire une opération. You do not need to do a surgery. Juste de écouter la façon dont you just parle. Need to hear how the person speaks. Et tu sauras que ça, c'est un incirconcis. And we know that this person ça, is circumcised and this is a child of God. This is a spiritual baby. This is the person who has grown in the Word of God. Alleluia. This means for Moses to serve the Lord, to accomplish his mission, the mission of the Lord, qu'il a apprises dans la maison de Pharaon. He had to forget all the sciences that he learned in the house of Pharaoh. Dieu puisse lui apprendre la science céleste. God needed to teach him the celestial science. Qui est la parole de Dieu. That is the word of God. La science céleste. The celestial science. Qui est comment discerner la pensée de Dieu. That knows how to discern the thought of God. Parce que tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu. Because you cannot accomplish the mission of God. Imagine that the son that I am with Pastor Sammy. Quand le pasteur vous dit A, when the pastor says A, moi je viens, je vous dis B. And I come to you as I say le pasteur de l'église vous dit B. The pastor of the church says B. Moi je viens, je vous dis C. And I come and I say C. Est-ce que vous emmènerez quelque part? Am I going to put you somewhere? Quand le pasteur n'est pas là, when the pastor is not there and he tells me, Pastor, if that do moi, je le fais à ma manière. And I do it my way. Est-ce que like
As a living sacrifice, I would like to read it.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ce qui m'intéresse le plus, ne vous tournez pas à vos et Moïse était élevé dans la maison de ce roi. And Moses grew up in the house of that king. Bien qu'il soit venu d'une famille des esclaves, even if he came from a family of slaves, dans la maison du pharaon, in the house of Pharaoh, dans le palais royal, in the royal palace, Moïse n'était pas élevé comme un esclave. Moses was not like a slave. Il n'était pas non plus élevé comme un enfant adoptif. And he was not raised up as an adopted son. Mais il était élevé comme un prince. But he was raised up as a prince. Cela veut dire qu'il avait tous les privilèges qu'un prince lui avait à avoir. All the privilege that a prince could have. Donc si il devait aller à l'école, if we could go to work to school, il devait aller dans une très bonne école. He had to go to a good school. Où seuls les enfants des autorités et des riches se fréquentent. Only the children of authorities and rich people attend. If we had to receive, he had to receive an education. Il ne pouvait pas recevoir n'importe quelle éducation. He couldn't receive any kind of education. Mais l'une des meilleures éducations. But one of the best education. Non seulement qu'il avait ses privilèges. Not only that he had a privilege. Mais il était aussi dans un pays. But he was also in a country. D'où beaucoup de sciences tirent leur origine. Where a lot of science comes from. Vous avez été à l'école comme moi. You went to school like me. Vous avez étudié plus que moi. You and me. To a high level of studies. Nous savons tous que l'Égypte, we know that Egypt, c'est un des pays, it was one of the où beaucoup de sciences tirent leur origine. Where a lot of science was born. La civilisation égyptienne, Egyptian civilization, est l'une des civilisations, is one of the civilizations, d'où les mathématiques tirent leur origine. Mathematics comes from. C'est une des civilisations où la médecine était déjà développée. Is one of the civilizations that had medicine already. À l'époque, back in the days, les Égyptiens étaient considérés comme de plus grands architectes. Were considered as one of the big. Alléluia. Amen. J'ai lu l'histoire des deux tours qui ont été détruites ici. I read the story of the two towers that was destroyed here. Les deux tours, là, c'est la deuxième fois qu'on les détruit, vous le savez. When technology was developed already, mais les Égyptiens, but Egyptians, ils ont construit les pyramides. They built pyramids. À l'époque où les pyramides n'existaient pas. When technology was not as such as today, depuis des siècles, but until today, those pyramids existent. Still there. Ça veut dire qu'ils étaient tellement forts. That means they were so strong. C'est une civilisation très intelligente. The civilization that is very intelligent. Et Moïse était élevé dans cette and Moses was wisdom. Il était élevé dans ce pays là où la science était développée. He grew up in that country where science was developed. Alléluia. Moïse étant élevé dans la maison du roi. Moses growing up in the house of the king. Je parie qu'il avait le langage de presse. I bet that he had the languages of princes. Il s'habillait comme un prince. He dressed like a prince. Il parlait comme un prince. He talked like a prince. Il marchait comme un prince. He walked like a prince. Il mangeait comme un prince. He ate like a prince. Alléluia. Vous le savez. You know it. Dans chaque classe sociale, in every social class, il y a certaines manières qui sont différentes. There are certain ways that are different. Si vous allez dans certaines classes sociales, même ici aux États-Unis, even here in the United States, if you go, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment tenir une fourchette. There are certain people who do not know how to hold a fork. Il y a certaines personnes qui ne savent pas s'asseoir sur la table. There are certain people qui sont en train de manger. There are certain people who do not know on the table. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas parler en public. There are some people who don't even know how to speak. Mais là, vous devez quelque chose. Yeah, then we come and start screaming. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, vous savez déjà d'où il vient. When you see someone talking like that, you already know where.
from? Est-ce que je mens? Am I lying? Dans chaque classe sociale, il y a des manières. Each social class there are ways. Et Moïse, quelqu'un de la même nature que nous. Moses, who were from the same nature as you and me. Étant élevé dans la maison du roi dans le palais royal. Because he grew up in the royal palace. Il avait aussi les manières de quelqu'un qui habite dans le palais. He also had the manners of someone who lives in the royal palace. Il avait des sciences égyptiennes. He learned this Egyptian science. He was someone who was very smart. Non seulement il connaissait l'histoire de l'Égypte, il connaissait aussi l'histoire de son peuple. Not only he knew the story of Egypt, but also the story of his country, of his people. Au-delà de toute cette connaissance que Moïse pouvait avoir, above all the those knowledges that Moses could have, curieusement ici on me dit, surprisingly here they tell me, qu'en faisant sa prière de Psaume 90, when he was doing the prayer of Psalm, Moïse va dire au Seigneur. Je sais pourquoi j'ai insisté sur ça. I know why I'm sitting into this. C'est Moïse à le côté. Because Moses counted. Il était éduqué. He was educated. Il était un prince. He was a prince. Il ne sait pas il était. He was not. Donc il savait compter. Uneducated. He knew how to count. Mais ici il dit au Seigneur. But here, he tells the Lord, Lord, teach us. Bien compter nos jours. Well count our days. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. So that our heart will be into wisdom. Alors, quand je lisais ce verset, when I was reading this verse, j'ai compris que I understand that il y a une différence entre savoir compter, there is a difference between knowing how to count, savoir bien compter, and knowing how to well count. Avant-hier, je faisais des recherches sur ton travail. Yesterday, I was at work, I was doing some research. I was on Google and I was doing research. So I asked myself, did Moses went to school also after he had started? I wanted to know how old he was when he did this prayer. I saw some sources that were saying avant l'apparition du buisson ardent. That was a little bit before the burning bush. Et il a été quelque temps avant qu'il ait 80 ans. And he was a little bit before he reached 80 years old. Donc cela me confirme que c'était plus un petit enfant. This confirms me that he wasn't a little child. Cela me confirme qu'il savait compter. That confirms that he knew how to count. Parce qu'il savait faire la différence entre son peuple, les Hébreux et les Égyptiens. Because he knew how to do to make a difference between his people and their Egyptians. He knew how to defend the cause of his people by killing an Egyptian that were attacking one of his people. But here the Bible is confirming us that Moses did not know how to well count. Alors, en faisant ce recherche-là, by doing those research, the Holy Ghost reveals unto me que Dieu ne parle pas notre langage. That God does do not speak in our language. Dieu ne réfléchit pas de la même manière que God nous. Do not think like we think. Dieu ne raisonne pas de la même manière He que nous. He doesn't reason the way we. La Bible nous dit. The Bible tells us. But the way someone speaks is affected by the way he thinks. Pour connaître l'éducation de quelqu'un, to know if a person is educated, pour connaître le cœur de quelqu'un, to know the heart of someone, tu n'as pas besoin de lui faire une opération. You do not need to do a surgery. Il faut juste écouter la façon dont you la personne just need parle. To hear how the person speaks. Et tu sauras que ça c'est un circoncis. And you
his mission, the mission of the Lord. Il devait oublier toutes les sciences qu'il a apprises dans la maison de Pharaon. He had to forget all the sciences that he learned in the house of Pharaon. Il fallait que Dieu puisse lui apprendre la science céleste. God needed to teach him the celestial science. Qui est la parole de Dieu. That is the word of God. La science céleste. The celestial science. Qui est pour discerner la pensée de Dieu. That knows how to discern the thought of God. Because you cannot accomplish the mission of God. Si tu ne sais pas discerner la pensée de Dieu, how to discern the thoughts of God. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu. You cannot accomplish the mission of God. Si tu ne parles pas le même langage que Dieu. If you don't speak the same language as God. Imaginez que ce temps si je suis ici avec le pasteur Sami. Imagine that this time that I am with Pastor Sami. Quand le pasteur vous dit A, when the pastor says A, moi je viens, je vous dis B. And I come to you as I say B. Mathematics.
languages of God. Alors que quand il est allé parler au Pharaon, that's why when he went to speak to Pharaoh, il fallait que le Seigneur Dieu lui-même endurcisse le cœur de Pharaon. The Lord himself had to harden the heart of Pharaoh so that he will resist. Et c'était pour un objectif que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon. It was for an objective that God was hardening the heart of Pharaoh. Verse 1 and 2. The Bible tells us, c'est Paul qui dit ça. This is Paul. I exhort you, brothers, à offrir vos corps comme un sacrifice. To offer your body as a sacrifice, as a living sacrifice. Je vais lire ça. I would like to read it. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ce qui m'intéresse le plus, ne vous conformez pas aux siècles. Natango bana bakoboya tolia baboti bososolae Mabe kokonza mokili oyo bolamu eko kitae Nanata futa kume tusha limata mama Nanangi kume tusha limata mama Bye, bye, so bye, me, my dear.
Come on, woman.